Allez, on y va. مساء الخير عليكم اعزائي المشاهدين ومرحبا بكم في التولك شو اللي يروح يجيب لكم هنا البلاطو للزلجريان اللي عايشين في الخارج. مرحبا بكم في حصه كافي كافي نسيتا. يا للاسف اعزائي المشاهدين هذه هي اخر حصه تاع هذا العام. بصح ما تخافوش رانا موليين العام الجاي. هاي اول ضيف اعزائي المشاهدين ما كاش لي ما شطحش على غناه وما كاش لي ما يعرفوش في الجزائر سي امبوسيبل مام هنا اون اوروب. اعطيو لنا صفيقه حاره الحميدو. مرحبا بك مرحبا بك. ثاني ضيف اعزائي المشاهدين الفكاهه بصح راني سيره ورايحين للحق النجوميه. اعطيو لنا صفيقه حاره لرضوان بحاج. نوليو اللغنة اعزائي المشاهدين والاغنيه القبائليه وعندها ستيل بارتيكولي دوك تفهموا علاش. عطيونا تصفيقه حاره النبيله دالي. اخر ضيف نوليو اللغنة وللراب وعلى بالي بلي كاين بزاف دي جون الجيريان عم يتبعوا هاد الايامات عيس لمسي. مرحبا يا مرحبا. يسلمك. Bienvenue. Merci. Merci. واش راكم؟ لاباس. من قبل دخلتوا هكذا يا امبيونس دوك ريحوا خلاص. صافا. حبيت تشرب قهوة؟ جيب لي قهوة. نجيب لك القهوة اخويا. مرحبا بكم. Je suis très heureux de vous accueillir. Alors caféine c'est du café d'abord. Hi Jaya. Voilà. Salam alaikum. Applaudissements pour Anastasia. Ah, oui, quand même. Bonjour. Ça va? Enchanté. Voilà. On danse. Mlahba. Voilà. Ça va, Nabila? Comment est-ce que tu as fait ce qu'il y a? Parce que c'est le réveillon, Hamara. Ah, j'attends, j'attends le taureau. Hey. Je reviens, je reviens. Khair, khair, reviens. Alors, marhaba bikoum. Ce qui nous unit tous, c'est l'Algérie, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, quand on sent que vous ne venez pas, c'est nous qui venons. Donc l'Algérie est là. Et d'ailleurs, quand je dis Algérie, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Je commence par les jeunes. Oui. Donc par Ahmed. Moi, ça évoque ça. Waouh, waouh. Kalb. Voilà. C'est, voilà. Tu peux pas mieux dire. Non. Hadi, il y a Dzaïr. Bien sûr. Qui est-ce que Dzaïr? Est-ce que tu te remets à les parents ou tu te remets à l'Houma ou la... Où est-ce que tu dis qu'en premier? Dzaïr a une particularité, a un charme fou d'abord. عندنا عاداتنا عندنا تقاليدنا عندنا لباسنا عندنا كلش اون تو موسيقتنا تراثنا عندنا حميدو تاعنا عندنا ميرسي عندنا الطيب تاعنا الطيب تاعنا يزون يزيتي الاخر هم ديكوتي قال لك الطيب تاعنا دار لي هكذا علاش يا اخو هيا نسفقوا عليه انا نسفق عليك صافا Ounti. Anna, c'est. Dis-moi, Nabila. On est toujours coupé en deux. Je m'explique. Quand j'étais plus jeune. Il est ici, Strouveille. Quand j'étais jeune, quand j'avais 17, 18 ans, j'ai écrit une chanson. J'ai voulu m'essayer à. Parce que moi, je chantais en français, en anglais. Et je me dis, je vais essayer d'écrire une chanson en kabyle. Et j'ai écrit une chanson. Où je disais, on n'a jamais choisi. Et on n'est jamais nous-mêmes à 100%. Menle de France, si on est en France, il nous manque une partie de nous. Si on est en Algérie, il nous manque une partie de nous. Donc c'est la moitié de notre identité. Parce que, mine de rien, quand on est né ici, on a aussi une identité européenne. Mais voilà, il y a toujours la moitié, une ambivalence. La moitié, voilà, dans notre esprit. Voilà. Est-ce que tu es d'accord, Redouane? Ouais. Après, c'est propre à chacun.
on a une moitié, on a un tout. Toi, t'es un tout plutôt ? Moi, je vois plus ça comme ça. D'accord, c'est-à-dire, explique-moi. C'est-à-dire que même quand on te dit Algérie, qu'est-ce que ça évoque ? Pour moi, les parents, les grands-parents. Ben, ça, c'est sûr. Après, pour moi, quand, à partir du moment où tu as un peu d'Algérie en toi, tu es totalement Algérien. Ouais, bah, mon père, il me disait toujours, vous avez 1% de l'Algérie, vous avez 100% terrien. Waouh. C'est puissant. Voilà, c'est, tout simplement. Même quand tu veux gommer, quand on est en France, on essaie d'être s'adapter, dire qu'on est français, parce que c'est notre droit aussi, ben, on nous rappelle qu'on est Algérien. Ouais. Et quand on est en Algérie, on nous dit, ouais, bon, on aime bien nous dire, vous êtes français, mais... On nous l'enlève jamais, on nous l'enlève jamais. C'est-à-dire, même quand un jour je suis allé aux États-Unis, on me l'a dit. Je suis venu avec un passeport français. Tu vois, j'ai donné mon passeport français, j'avais un ESTA, j'avais tout. Et on m'a dit, mais monsieur, vous êtes Algérien. Et je l'ai regardé, et j'avais juste à dire non. Et je passais, tu vois. Et je lui ai dit oui. C'était plus fort que moi, je dis. C'est oui, moi. Je suis un Algérien, il m'a dit là-bas. j'ai passé 6 heures, mais je dis, c'est 6 heures, c'était pour mon truc. C'est comme ça. L'Algérie, de toute façon, tu le sens quand il y a entre nous, il y a une fibre. Alors, Hadita, entre nous, même fait Europa, hein, qui te voyager, quand tu pars en voyage ou là, un Algérien, tu as un Algérien. Je ne sais pas la façon de se tenir. C'est un Algérien. Ou me dis-je, je ne sais pas. Mais c'est un Algérien. Mais la belle, qui fait. Il y a un truc, il y a un sourcil, il y a un. Il y a un khazra. Il y a un khazra aussi, je ne sais pas. Je sais pas, après, si toi tu. Non, moi, je suis totalement d'accord avec toi, c'est le nif qui ressort, de toute façon. Nif ou le khazra, comme on dit. C'est ça. Nif. Après, si je pouvais décrire l'Algérie, ce que je pense de mon propre pays, vu que j'y suis né, et que c'est une culture dans laquelle j'ai baigné par rapport à toute ma famille, bah, je trouve qu'on a quand même été élevé entre le. Courage et le partage, tu vois, c'est deux mots qui riment, je pense pas pour rien. Ouais. Et je trouve que c'est un peu les deux valeurs qu'on nous a le plus enseignées. Sois courageux, ne pleure pas, t'es un homme, t'es un DZ. Exactement, ouais. Et partage avec tes frères, tes sœurs, et même si t'en as pas, crée en toi. Et je trouve que l'Algérien est sociable de base, c'est pour ça qu'on arrive à s'intégrer dans le monde entier. J'ai beaucoup voyagé. C'est vrai. Et when trahat sobhom, tu vois, il y a toujours un Algérien. Ils sont partout. Même la un quartier algérien, je dirais même. Eh, hey, même des quartiers, ça. Et même il y a pas longtemps, notamment, j'étais à Londres. Là-bas, il y a un quartier où il y a beaucoup d'Algériens qui s'appelle Whitechapel. Et j'étais à Tottenham, donc en studio d'enregistrement, et je suis tombé sur un Jamaïcain de Londres qui m'a dit « Toi, t'es Algérien. Wow. » Donc ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, il t'a reconnu. C'est vrai qu'il y a Ken Hatta, il y a quelque chose qui fait qu'on se différencie. Et c'est vrai que les gens ont tendance à nous reconnaître. Et quand tu les trouves pas, t'es pas bien parce que c'est vrai, ouais. Moi, j'ai vécu à Londres il y a quelques années et je suis revenue parce qu'il y avait pas cette communauté. Trouvais pas. Il y a 12-13 ans. Ah, dans le cas qu'il y a, mais c'est vrai qu'avant il y avait pas, ouais. Ah ouais, j'en trouvais pas. Et pourtant, hein, je voulais m'émanciper comme ils disent. Kanum Dargin. Non, c'est Victory Park. Donc il y avait un parc où mais on t'en pouvais un et un. Bien sûr. Mais ils sont là dans le tapis. Il n'y avait pas la communauté ou les quartiers comme il l'a évoqué. Ouais, ouais. Il n'y avait pas les quartiers et du coup je suis revenue parce que ça, c'était pas dans l'équilibre. Ok. Donc l'Algérie, c'est ça qui nous réunit, on est sûr. C'est ça. Et c'est le but de Caféine. Alors, d'accord. On a préparé des portraits de chacun d'entre vous pour parler de votre carrière, de votre histoire aussi parfois. Le premier à passer... à la casserole, c'est... Bienvenue. C'est Habibi. Bienvenue, Hamidou. Hamidou, je ne vous dis pas le portrait pour dire aux gens que Hamidou est venu. Si il y a un Algérien qui n'a pas entendu de toi, il faut l'écouter aujourd'hui. C'est ça. Pourquoi pas. Ok. Il y a un tarif. Regardez avec nous, le portrait que nous avons sur Hamidou. حميدو ولا أحمد طاقجوت الفنان الغني عن التعريف واللي اسمه ميمورج مرور الكرام مغني جزائري مقيم في فرنسا من مواليد جزائر العاصمة في 1966 كي كان في عمره 9 سنوات حميدو كان ديجي غني الراب وكي لحق 16 سنة التحق بفرقة الفخارجية ومعها أدى جميع الطبوع الموسيقية وفي 1985 كان أول مرور ليه في الإذاعة الجزائرية بعدها بعام خرج أول غنية له سروال لوبيا اللي حقق نجاح كبير وبها تفوق على كامل الفنانين في هذاك الوقت
وهنا تفتحوا له أبواب السينما وتحصل على عديد من الأدوار، منها الدور الرئيسي في فيلم الباساجي. وبصدور أول ألبوم ليه تندمي عليا، صور أغنية أنا صغير اللي كانت على شكل فيلم قصير وحقق بها نجاح كبير. يا كاليلو واحد من أشهر الأغاني اللي أداها حميدو مع فرقة نوماد. حميدو فنان قدر يكسب الجمهور من مختلف الأجيال، ومثل التراث الجزائري أحسن تمثيل، وتحصل على ميدالية موزار من طرف اليونسكو. كارير كارير ماشي لعب، ماشي لعب، ماشي لعب صح. كارير تجوز فيها مش تاعينا. ايه شفت؟ وي 36 ans déjà de carrière. Je pense que 36 ans de carrière. Ouais, oui. C'est Hamidou en Algérie, c'est juste c'est patrimoine national, c'est Hamidou. On a vu des images qui dataient de 36 ans, effectivement. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Mais toujours jeune. J'ai failli dire il est plus jeune que tous les photos. Ah, j'ai cru qu'on montrait son oncle. Je le trouve plus jeune. Merci. Non, je le trouve plus jeune. Attends, on a de se faire aller parce que oui, oui, oui. Attends. On aime bien dire, on aime bien souvent dire à la télé on paraît et en, ouais. En, en réalité et en vrai, c'est différent. Pareil. Là moi je le vois en réalité. Même c'est si vrai. Les gens vont nous voir à la télé, moi je parle pour vous, ok. Il, est, voilà. Il est vraiment beau gosse, il est fit et tout, il est plus merci. Costaud que moi. Merci. Ouais. Gentil, merci. Zine, comme dirait même Zine. Alors tu vas voir ce qu'il fait maintenant. Allons-y. لو كان نقول لك 1998 وي كيف ستيفوك هاد لاني هادي سا ميفوك اون بيل اني اون تري بيل اني و جي في بارتي دان جروب كي سابيل نومادز اون ا في سورتير لو توب دو ليتي سور تي اف 1 كي سابيل يا كانيلو اي سا مي رابيل لا تورني سا مي رابيل لي بون مومون سا مي رابيل مي زامي ايرل دو شيكاغو Philippe Jacot, Jack, qui est le cerveau du groupe, donc qui est de Besançon, c'est un Byzantin français, et Laurent Daforio d'origine espagnole aussi. On a madabia, on chauffe le clip. Go. Aïe, on chauffe maintenant. فهم الشباب فهمهم وش معناتها يا كاليلو يا كاليلو بون سي ان ديالكت ديالكت افريكان دو بينان سا فو دير يا كارواح معنا ليلو عليلو يا كاليلو فيا افيك نو انا عم بالي اروح يا عليلو لا يا كاليلو يا كاليلو يا كاليلو بوكوا ان تيل سوكسي علاش هذا لو تيوب Mais écoute, Hanaya, on n'a pas fait qu'un tube, on a fait un grand album de 12 titres qui s'appelle Better World. Hadaya, il a été choisi. Bon, c'était Hanaya, on a signé l'album ouais. Avec d'autres titres que Yakalilo. Yakalilo, elle est arrivée après, c'est-à-dire en complétant l'album. Yakalilo Jet qui se met, mais ça bouge, ça ouais, ouais, pour l'époque, c'est vrai. On a regardé le Ndiroha tube de l'été. On va passer un bel été. Ah non, on a passé un très bel été. On a fait quand même une tournée de nightclub. En 98, on a fait près de presque 200 dates, sans exagérer. 200 dates. Oui, mais en tout. Hein. L'été Hadak, on a fait quand même 45-50 dates. Donc. Depuis le début de l'aventure, on a fait à peu près 200 dates. Et ça nous a permis de voyager, d'être classé un petit peu partout. En France, on a eu le disque de diamant. Mmh. On a vendu plus de... Disque de diamant. Attends, disque de diamant à l'époque. À l'époque. À l'époque, attends, ouais. Puisque... Un million de... C'était combien de ventes c'est ça. C'est où les mathématiques. Un million de singles. Un million de singles. 1 160 000 À l'époque singles. Où c'était des CD qui se vendaient. Ouais, c'est ça, ouais. On a été classé deuxième tu au chart. Tu te souviens pas Moi, je me rappelle tout à l'heure. Comme ça.
Moi, il a mis Yakal et Luz. Je t'ai regardé autrement encore. Bon, Yakal, mais je me disais bien. Je me disais. Quand j'écoutais le son, moi, Yakal et Luz, je croyais que c'était de l'espagnol. Et quoi, Anime de Pesivas? Anime de Pesivas? Non, non, c'est vrai, c'est de l'espagnol. C'est de l'espagnol. Mais je savais qu'il y avait un truc de arabe. Le refrain, il est un peu. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, écoute bien, il y a du arabe. C'est ça. Mais ça fait rêver, nous les lecs, docteur Erdogan. Mais ça fait rêver quand il dit c'est Nakhlenahbat. Non, j'allais dire Yakalelo, ça veut en lingala, ça veut dire viens ici, ça veut dire tout de suite. Aujourd'hui, Lelo. Voilà. Et vous voyez un peu le signe berbère là. Ouais. Et ouais. Il le signe berbère, la croix du sud, je porte la croix du sud. L'Américain, il a le signe berbère, et Mazirane, etc. Pourquoi les nomades? Les nomades, c'est les donjons libres. C'est, voilà, voilà, exactement. Exactement. Voilà. Ça fait rêver quand il dit 200 dates. Tu rêves d'avoir. Imagine, tu arrives à 200 dates. 200 dates? 45 dates pendant un été. Tu vas voir ton banquier tout de suite. Tu lui dis écoute, tu vois toutes les mouchakils? C'est fini. C'est réglé. Ouais, mais t'as rien à dire. T'as compris? هيا نشوفوا البورتري تاعك، شوفوا معايا البورتري اللي وجدناه تاع رضوان. رضوان بهاج ممثل كوميدي من أصول جزائرية، زاد في 1984 بفرنسا. رضوان متزوج من كونغولية، كما أنه يتحدث لونغالا بطلاقة. الممثل والفكاهي عنده لمسة خاصة وهي الطريقة الساخرة ليتناول بها المواضيع ديالو، خاصة فيما يتعلق بالثقافة الجزائرية ووالديه. رضوان عنده العديد من الأعمال في مشواره الفني كيما لو فيلم لي براكور مع لو رابور كريس واللي خرج في 2016 وكذلك لو سبيكتاكل جو سوي شو. رضوان عنده طاقة وحماس كبير على المسرح واللي من خلالها يبين على الشخصية الكاريزماتية اللي عنده خاصة. الفنان كذلك ينشر على حساباته في المواقع التواصل الاجتماعي مواضيع مليئة بالفكاهة والضحك ويتناولها بطريقة ذكية ودقيقة. اليوم رضوان حب يطور من نفسه في مجال الكوميديا وأنه يتقمص العديد من الأدوار، وهذا بعد ما ثبت نفسه في العديد من المجالات. Tu n'es pas normal. C'est bêtard, tu n'es pas normal. Ah, c'est sûr ça. Je suis pas normal. Je suis un Algérien. Je ne peux pas être normal. Déjà. Tu es spécial. Il n'y a pas d'égal à l'Algérie. Si je te dis le 15 août. 15 août. Je sais pas. Ça représente rien pour toi le 15 août? Le 15 août? C'est une fête. Allez, je t'aide. Ah, moi, avec les dates, je suis zéro, moi. C'est une fête nationale. De l'Algérie? Non. De qui? Du Congo? Oui. La fête nationale du Congo? Oui. Ah, franchement, sur ça, je suis zéro. Alors là, je suis vraiment nul. Mais pourquoi j'en parle? Oui. T'as joué au Congo? Congo, ouais. J'ai joué plusieurs fois là-bas, même. En 2022? Oui. Bon, il faut qu'on explique. Ta femme est congolaise? Oui. Ok, d'accord. Mais c'est pas pour ça que j'ai joué au Congo. Non, non, je sais. Je sais. Pourquoi t'as joué au Congo? Parce que, un de femme, ça. C'est pas parce que tu es au Djazair. Eh non, ça n'a rien à voir. Et le visa. Un de cas. Parce que t'as. Chauffe-moi, les images, on a qui va. Donc, on va parler de tennis. Pour jouer au tennis, il faut être deux. On est d'accord? Pour jouer au tennis, il faut être deux. Si, qui arrive à jouer au tennis tout seul? Les Algériens! On arrive à jouer au tennis tout seul, nous! Eh, les Algériens, nous, on est des Avengers! On est le même A. Le A de Avenger, c'est le A d'Algérien. Et ça, ce que tu écris, tu le penses sur l'Algérien? Bien sûr. Ouais. Je l'ai vécu, je le vis, je le vois. Après, moi, ce que j'aime, par-dessus tout, ce que j'aime faire, par-dessus tout, c'est me faire comprendre. J'aime pas m'imposer. Ouais. Même si j'ai un humour assez imposant, même si charismatiquement, l'Algérien, il est imposant, mais en fait, moi, je commence comme ça, je dis que c'est de l'incompréhension. Les gens, ils pensent que l'Algérien, il est too much. Tu vois, quand tu vois Djezeri, tu te dis, ouais, Djezeri, t'as rien Djezeri, l'Algérien. Non, en fait, c'est de l'amour. Oui, oui, nous, on fait tout à l'extrême. Mais c'est cette façon, c'est lui sa façon de l'exprimer, c'est tout. Moi, je dis, on te déteste à l'extrême ou on t'aime à l'extrême. Il n'y a pas de juste milieu. Ouais, c'est vrai. Tu vois, j'ai toujours dit ça. Et toi, est-ce que tu penses qu'on t'aime à l'extrême? Moi, ce que j'aimerais, c'est quand même
Quand même. Comme chacun le voudrait, c'est tout, je m'en fiche. Mais qu'on nous comprenne surtout. Moi, j'aime qu'on m'ait compris. Je peux comprendre que quelqu'un me dise « t'es pas marrant » ou « je t'apprécie pas », mais qu'en fait, on s'est compris, tu vois. T'as compris ma blague. Le message, ouais. Tu vois, c'est tout ce que je veux. C'est pas, on est pas, je veux pas imposer l'Algérie, je veux juste qu'on comprenne. Une fois que t'as compris ça, tu comprends, en fait. On est peut-être maladroit, mais c'est de l'amour, en fait. Ouais, tu vois, vrai. L'Algérien, il est passionné par ce qu'il fait. Moi, si je bois le café, c'est parce que j'aime le café. Vas-y, bois. Si j'aime pas le café, je dis « Wallah, je ne touche pas ». Bois, tu vois, c'est ça. Tu veux un deuxième café? Alors, tu vois, ça, l'Algérie, ça c'est la canne. C'est ma définition de nous. C'est ça. C'est ma définition. Et de surtout nous. Le drapeau. On a un lien à notre drapeau qui est extraordinaire. Les menchoufos, je suis le bouledin l'ochrein, ma cache. Au début, c'était un stéréotype. Au début, tu sortais un drapeau, arrête de faire l'Algérien. Ou oh, il y a encore les Algériens. Aujourd'hui, regarde bien aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde sort son drapeau. Quand il y a des matchs de la Coupe des Nations d'Afrique ou même à la Coupe du Monde, aujourd'hui, c'est devenu un fléau, même des fois sur des émissions de télé. Nous sommes les premiers porteurs de drapeaux dans le monde. Les premiers fiers de ce drapeau, mais... Non, mais partout. Sans complexe, partout. On le sort partout, c'est on le voit dans les stades, dans les grandes rencontres. C'est à Auckland, algérien, il est à Auckland. Attends. Mais un match de hockey entre deux universités, il n'y a pas les pays, drapeau algérien, quoi. Parce qu'il veut dire qu'il est là, il tout Il veut simplement. Dire qu'il est là, c'est tout. Ça. Algérien, laisse-moi les Algériens. Et c'est sa fierté aussi, c'est... Je suis algérien, là-bas. Il est en train de dire, je suis là, en fait. Exactement. Ça ne veut pas dire, on va vous envahir. Ça non, non. Dire, nous sommes là. C'est tout. On était là, ce jour-là. Moi, je l'ai porté, pour vous dire, en face de la Maison Blanche à Washington, en face de la. Chef Téléflex. Je suis photographié avec notre drapeau, la White House, la Maison Blanche à Washington. Voilà. Et les gens me demandaient, c'est quoi ce drapeau? On est tous des ambassadeurs quelque part. Absolument. Nabila, on passe à toi. Ton portrait. Allez, regarde avec moi. Chauffez-moi, Aïzaïl Mouchahidine, le portrait de Nabila. نبيله دالي مغنيه وكاتبه اغاني زادت وتربت في باريس بدات تسمع الموسيقى من صغرها ما بين جاز ار ان بي وموسيقى قبائليه في 2007 وكي كانت نبيله في لندن تقرا الترجمه شاركت في كاستينج الحان وشباب الطبعه الاولى بعد عودتها لفرنسا خرجت اول اغنيه ليها واللي لفتت انذاك انظار الفنان الراحل ايدير وغنت معه سورسان تواصل نجح نبيلة وين تواصلت معاها شركة موسيقية وخرج معاها أول ألبوم ليها إمناين اللي كانت إيقاعاته تجمع ما بين لا ميوزيك كابيل إلى لا ميوزيك سلتيك الألبوم اللي لقى رواج كبير وسمح نبيلة أنها تقوم بجولات فنية كبيرة في فرنسا في إنجلترا كاليدونيا والجزائر بعد فترة الكوفيد اللي توقفت فيها نبيلة على غرار العديد من الفنانين قررت أنها ترجع بألبوم جديد من إنتاجها وهذه المرة الألبوم راح يكون أمازيغي ممزوج بالإلكترو نبيلة في مشوارها الفني أدت العديد من الأغاني الأمازيغية حست الارتباط المبير بينها وبين تاريخها وأصولها وقررت باش تأدي هذه الأغنية التراثية وتحييها من جديد واليوم نبيلة راح يتعرف بالتراث الموسيقي الجزائري Ça fait plaisir. Gal les portraits à Doumé Lakchoufom. C'est des Algériens. Allah yibarak. Allah yibarak fik. Nabila. J'ai vu ma grand-mère. lorsqu'on a tourné le clip de Imnayen, ils ont demandé les photos de mes grand-mères et puis. Ça t'émeut? Oui. Pourquoi ta grand-mère? Pourquoi est-ce que. Déjà, vous ressemblez. parce que c'est le modèle féminin, la force, le... La résilience aussi. Parce que les femmes de chez nous ont vécu des vies que tu peux même pas imposer à une femme aujourd'hui. Ouais. C'est pas possible. Elles ont perdu des enfants.
perdu leur mari, elles ont élevé leurs enfants, elles ont marié leurs enfants, elles ont tenu et puis elles ne se sont pas plaintes et elles ont continué et elles ont chanté. Et aujourd'hui, quand je vois le combat autour du féminisme, je me dis qu'on a beaucoup à apprendre de nos grands-mères. De l'ancienne génération, ça, al-barakatana, ça. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Bravo. Lo kan nqol lek 2007, sanat 2007, qu'est-ce que ça invoque? Alors déjà, Anna, j'étais à Londres, donc je vivais ma petite vie. Et je me suis dit, voilà, ma vie maintenant, ça va être ça. Je vais vivre l'aventure londonienne. Et puis ensuite, j'irai à New York. C'était un peu mon truc. Je me suis retrouvée à Alger. Et qu'est-ce que t'as fait à Alger? En fait, je suis partie faire un casting. Moi, je chantais à l'époque du R&B. Et j'avais 3-4 chansons kabyles que je connaissais. Et ma copine me dit, il y a un casting pour une Starac à Alger. On ne savait même pas ce que c'était en vrai. On est parti, j'ai chanté 3-4 chansons. Et je me suis retrouvée à Alger. Et ça a été une époque formidable parce que du coup j'ai fait l'émission d'Alhan wa Shabab. Et la première édition, enfin Hadi, la première édition c'était Alhan wa Shabab nouveau. Hein. On a vécu des moments. Où l'as-tu né? J'ai passé. T'es arrivé en finale. Oui, en fait, si tu veux, c'est une école de musique. Donc peu importe que tu sois, mine de rien, on a fait les nominations, les éliminations. Anna, j'ai été éliminée peut-être au 4e ou la 5e prime, mais j'ai plus chanté après. Donc au final, les éliminations, tu sais, nous, quand tu dis on est des Algériens, jusqu'au bout. Même pas, voilà, ils n'avaient même pas envie de nous laisser partir. C'est-à-dire, t'es nominé, t'es éliminé, mais tu restes dans l'école. C'est la rare que personne n'est éliminé. Je suis quelqu'un. Et le pire, c'est quand t'es éliminé, tu chantes encore plus sur le prime d'après. Donc voilà, donc au final, on est resté. Enfin, moi, je suis restée en tout. L'émission a duré 2 mois et demi. En tout, je suis restée 4 mois. Et puis après, tu fais de belles rencontres parce que forcément, Anna. En parlant de rencontres, justement. Ouais. Regarde ces images. Ok. Donc ils se connaissent déjà. Ils se connaissent déjà. Ah, ils nous ont caché. Oui. Je suis venue par piston en fait. Ouais. C'est ça. C'est lui qui m'a pistonné. D'accord. Non, sans piston tu viens. Alors qu'il y a un micro. Merci. C'est ton frère qui est là. Tu appelles, tu viens. Merci. Et depuis ce jour, on ne s'était pas vu. Hein. Ça fait 10 ans. Oui, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Plus. C'est 10 ans. 2007 non. 2007, 15 ans. Ah non, là, c'est 2012. Ah, des 2012, d'accord. Ouais. 2012. 2012. Et là, on avait chanté, je crois, c'était un hommage à Chiffre Dem, exactement. On a interprété. Ils ont un duo. On voit son portrait là-bas. Oui. Ils ont chanté à 12 ans. Qu'est-ce que t'en penses, Aldouane? Est-ce qu'ils vont chanter aujourd'hui? Déjà, je les entendais chanter tout à l'heure. Ils chantonnaient. Wallah. Et c'était hlou. C'était hlou? Tu veux revoir du hlou? C'est pour ça que j'ai pris mon café, le kahawa, bleska. Parce que le hlawa, il y en a. Très bien. Bon, vous nous chantez quelque chose? Allez, comme ça. Ça fait 10 ans. On est entre nous. Moi, je compte sur Hamidou parce que les paroles, je les ai un peu oubliées. Moi aussi, bon. Un deuxième micro, je pense. Non, ça va aller avec nos cravates. Ah oui, allez, on y va comme ça. لو كان مازال تغني فلاكم تاتيلاوي تنلن 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 حملها غاية نظري غدر غير فلانا وكين ما يظن لا فداوي غد عيشة غد وقت بني ما يظن لا فداوي غد عيشة غد وقت بني. Tu vois les gens, ça c'est algérien.
هذه هي الجزائر. الناس يقول لك لازم نوجدوا نديروا كونسير ماشان دو شانتور، الناس تصفق الاخر يطبل صاي كونسير ماشان سي دو لايف. جي 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 كري كيلي افوار دي دي كاوكاو دي كاوكاو. T'as sorti le micro, j'ai crié, Cheb Khaled, là, les sortir. Une guitare. Il y a des comme ça, en tout cas. Zidou Lom Sfera, merci beaucoup. Merci. Merci. Ace, c'est à toi. Choufou Maaya, Ntouma Aliakoum Tebou Ice. Parce que tu es très suivi par les jeunes là, en Algérie, hein. Tu le sais. Ah, je sais que tu le sais. Et eux aussi, ils le savent. Hi, choufou le portrait de Oujidna, t'as Ice Lemsi. هاي سلامسي الفنان اللي رجع للساحة الفنية مؤخرا بيطلاقه بابل في قناته على اليوتيوب. الأغنية اللي راح تصدر ضمن الألبوم اللي راح يخرج عن قريب. هايس ولا إسلام بالوزداد اللي بدأ يغني الراب من 2008 وبعدها بعام رجع يشارك أغاني على الانترنت بمجموع من الفريستايل. في 2013 اكتشف الجمهور أول ميكس تيب ليه، وفي 2015 خرج أول ألبوم وبعدها تواصلت نجاحاته. إسلام اجتهد بزاف، حب يثبت باللي يعرف يغني الراب، الحاجة اللي خلات الجمهور يتمتع بالأغاني ديالو خاصة محبي الراب. وفي 2020 قدموا برنامج كليك على أنه الرابر البلو تكنيك حاليا والأكثر نشاط. هاد لا ريكونيسونس جات بعد مثابرة تاع الفنان. هاي سلامسي كان متأثر بأغاني إمينام وكان يستلهم منها الموسيقى ديالو، الحاجة اللي ساعدته باش يلحق لأسماء كبيرة في الموسيقى كيما سوبرانو ولا كريم. العديد من المشاريع والتتويجات حصل عليها في مشواره كيما سكاي روك في 2015 دارت له اسبوع خاص به سبيسيال بلانيت راب، وكذلك التعاون مع ماترو جيمز. حتى ولا الفلو تاع اسلام رابيد بزاف ولاو يسموه كالاش اومان. الفنان اللي نزاد في حاسي مسعود قدر يفرض نفسه على الساحه الفنيه بلي تاكس تاوعو اللي استلهمهم من الحياه اليوميه. يا درا واش راح يجيب جديد؟ T'as des fans même ici, le bah, public. Merci. Hein. Sûr, sûr, sûr. Bon, habite tout ce mal aux donner un chiffre à toi aussi. D'accord. Si je te dis 242. 242 Ouais. Ça m'a dit, c'est lui, il est calcul, il est fort en calcul. 242. Je t'ai pas donné le nombre de zéro. Hein. J'ai juste dit 242. 242. Oui. Millions de vues. Bravo. Oh. Bravo. C'est lui qui le sait. Oh j'ai pas compris, c'est lui qui tient les comptes. J'aurais pas deviné, wallah. J'ai jamais pensé à ce chiffre. Total de vues sur ta chaîne YouTube. Et c'est lui qui le sait. C'est lui qui tient les comptes, j'ai pas compris. En fait, 242, c'est l'indicatif Congo. Non, mais je vous explique, je suis un Algérien. C'est nucléaire. C'est quoi cette coïncidence? Écoute. Non, mais on vous a invité de telle sorte à ce que 242, ça soit le Congo. 242 millions, non. Excuse-moi, il y a deux Congos. Oui, il y en a que le deuxième. Avec le deuxième, alors. Il y a Congo. Brazzaville. Brazzaville. Lubumbashi, c'est où? Kinshasa. Ah, Kinshasa. Congo RDC. D'accord. Eh bien, juste une petite parenthèse. Nous avons le chanteur Reda Seka qui dirige le plus grand parc d'attractions au Congo, à Lubumbashi. Oui. Ah. Il l'a créé. Tu vois les connexions ça, voilà. Djazairi. Djazairi, voilà. 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 Mashallah. Pour dire. 242 millions de vues, moi je suis à 1 million je crois, c'est magnifique. C'est bien déjà 1 million. 242 hein. Fois comme moi. Ah, j'aurais pas pensé. Ça moi, mérite des applaudissements. Hein. Moi, je suis... ah, franchement. Où est le morceau, l'ismato, merci. Le morceau, à combien il est d'après toi? Wahdo, 11 millions.
Ah oui, Serbie, les millions, normal. J'ai le couplet, il a commencé avec Algérien du Barrio. Il parle en millions, le gars. C'est, voilà. Bah, je te dirais 8. 11. 11 millions. Ah là 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 là. Non, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, après je vais laisser Aïs parler pour lui, mais aujourd'hui les vues sur YouTube sont considérées dans les streams, c'est-à-dire les ventes, ouais, les ventes d'albums, ouais, de singles, tout ça. Ouais. C'est-à-dire si tu fais des vraies vues sur ton compte officiel, c'est comptabilisé pour faire des singles d'or, pour faire des disques d'or. Donc il nous paye le café en fait, c'est ça que tu es en train de dire. Je ne sais pas s'il va payer, après c'est vrai que j'ai vu la taille de son téléphone, un Note 14 Max Pro Roba. C'est toi qui va payer le café. C'est moi. Ok, bon, en attendant que tu payes le café, en attendant l'addition, un peu de pub et on revient. Parce que les millions de vues, moi aussi j'ai besoin de, hein, de vivre. Ok, Aïda El Moujahidine, je suis à Ishar, on est à nous, Léo. Je n'avais rien, amigo, mais j'ai dû prendre la mer. Dis-le que c'est now pay. أعزائي المشاهدين كما راكم تشوفوا رانا توجور في آخر سهرة تاع هذا العام بصح نعاودو نتلاقاو العام الجاي فوالا رانا توجور مع حميدو نبيلة مالات رضوان وآيس كيل أمبيونس أمبيونس تاع الهبال Hamido, donc on va parler du résultat de la carrière de Tarek. Je suis allé la médaille de Mozart de l'UNESCO. Où est-ce déjà 95. 95-96. 95. Qui est-ce que l'UNESCO. Qu'est-ce que ça fait justement. Ah, c'est une fierté d'avoir ça quand même. Parce que, comme elle a dit elle tout à l'heure, les Algériens ont la capacité d'interpréter plein de genres. L'arabie, s'il te plaît, Hamidou. Les Jazaïriens. Nous avons des qudurat. Pour nous aider, nous avons des lahajat et des lughat. Donc, we sing in English. En chantant en espagnol, les Algériens ont une particularité. Nous sommes des gens ouverts. Ouvert sur le monde. C'est pour ça qu'on est partout de ces mélanges. Mais partout, nous n'oublions jamais notre algérianité. Bien sûr. Et nous parlons avec les autres. Des fois, on critique notre pays. On permet à personne de nous critiquer notre pays. Non, qui te critique, Bled, ça veut dire que tu aimes. Bien sûr. Parce que ça t'intéresse, tu aimes tout faire ma chère ou chère. Nous critiquons, on dhakou ala rouahna, on adjibou brouahna, etc. Parce que nous faisons mec, Mais, par rapport à ce qu'on a dit au début d'émission, quand on parlait de l'Algérie, on a notre particularité qu'on ne trouve pas chez les autres. Je ne sais pas, c'est quoi. On est toujours en train de chercher cette particularité. Les filles, d'ailleurs, on est fiers qu'il y ait quelqu'un, par exemple, Injah à l'étranger, par exemple, que ce soit Zidane ou Karim Benzema. Ou là, on est tous fiers, que ce soit la Khariq al-Kadim. Tout le monde est fier ou خلاص. On est fiers ou خلاص et on reste fiers. هذا ما كان. Hamidou, واش رايك في الفنانين اللي يقولوا بلي الغناء تاع العرس سي غابيسون. Non, شوف انا عشت بالعرس. كاين اللي يقولوها. انا عشت بالعرس ودرت تاويلي بالعرس. Moi ça fait longtemps j'ai commencé une carrière dans le rap. Ça n'a pas marché parce qu'en 85 je connais ce mal le rap. Les gens c'était disaient, nouveau à l'époque. Il fait n'importe quoi, ce qu'il entre. Après, Dretserwa Loubia, après. Mais à chez nous, moi, j'ai une formation, fait le Haouzi, fait l'Andalous, Chabé, etc. Donc, quand je me suis mis, fait le Haouzi ou Chabé, automatiquement, j'ai commencé à avoir beaucoup de mariages. Et puis, j'ai eu une expérience, fait le Kabyle. J'ai fait un méga tube en 93. Mm-hmm. Donc, c'était Tamran Khaloudja. C'était un petit peu la belle courte, etc.
Et puis, mon public s'est multiplié, je ne sais pas par combien. Mmh. Et donc, les fêtes de mariage se sont multipliées par je ne sais pas par combien. Et de là, bien sûr. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas le nombre de vues, c'était le nombre de mariages. Oui, exactement. Il y avait franchement, on n'avait pas de portable, on n'avait que le fixe qui tombait tout le temps, dérangement. Ça, on a un chauffeur. Voilà, maintenant, aujourd'hui, la génération de maintenant, ils sont tout le temps en guerre. Alors que nous, on sortait, on fait des parties de coin, voilà. Ok, ça. Fakartni fliya. Voilà. Non, je te fais un mot, l'idhoumti en fait. D'accord. On est né, on a grandi dans le même quartier. D'accord. D'ailleurs, c'est même ma pistolée. Voilà, Mouradia. Hey, hey. J'ai trop envie de faire la fête. Non, franchement, quand j'entends Hamidou, Ranili, Rana, Djinek, ça te dit quelque chose? C'est l'ars. Eh oui, s'il te plaît. Alors, il y a trois versions de Rana, Djinek. Voilà, t'as fait. Il y a le Dkhli, le Msemaï. هذا هو يا ورانا جينا يا ضو عيني رانا جيناك ناري يا نار ما تبانيش هكذا ما نبانش مي جو سوي والله غير تفوي سوي ان فري ايه زيد وكاين وحنا جيناك حلوا سرايتكم لالتكم جات ناري يا ناري تندر تندر وجيتك عيان عند باب دارك طايح سكران ناري يا ناري وحنا جيناك Et puis, il y a une troisième version de Dertha Anna. La troisième, on veut la troisième. Voilà le scoop. دايره بنوار نسرين وعنبر والخدود وريدات ناري يا ناري وحدك وحدك يزين سعدك اللهم صلي على الرسول ناري يا ناري ليلة ولا محلى ناري ويا ناري برافو Enfin, mais sonne à la voix. Franchement, Britain Zouge, ça y est. Franchement. À tout à l'heure. Hein. À tout. Alors, Hamidou, est-ce que Khamem t'a outoulé le tamthil? Parce qu'on se pose la question, on se dit. J'adore. Il a eu une expérience. Mais, l'expérience, t'as le passager. J'ai eu une expérience, mais bon, maintenant, mes portes sont ouvertes. S'il y a une production qui me propose, par exemple, qui me distribue dans un long métrage ou là, dans un truc, etc. Donc, t'es pas fermé. Je ne vais pas répondre par négativement, bien sûr. D'accord. Allez, je m'en ai chené ce mot que tu n'as pas dit à l'Iamat. Wallah, je trouve d'être un très très bel album. J'ai commencé l'enregistrement en 2009. Et je ne l'ai pas terminé parce que. Donc, Baïlia. Baïlia, et où j'ai eu les grands poètes de la chanson kabyle, tels que Ben Mohamed, qui a écrit à Vava Inouva. Il m'a écrit une chanson, tels que Mziane Rachid Lahirhamou, Amar Azouz, Kamel Hamadi, Ben Ali aussi. Où j'ai le Sénat? C'était les mariages qui parce que à chaque fois tu vas faire par exemple les voix tu enchaînes 3-4 mariages automatiquement t'as la voix cassée pour aller enregistrer. Non mais vous connaissez pas sa vie, les mariages qu'il y a eu à Kilka, je sais ce qui se passe Zahir. D'ailleurs pour qui chante dans ton mariage il faut l'appeler une année avant un peu. Mais tu rencontres la fille, dès que tu la rencontres, tu lui dis, écoute, si on se marie, j'appelle Ahmed, on sait jamais. Ouais. Comme ça, après, on ça. En tous les cas, ce qui me fait plaisir, Tayeb, c'est que je marie la deuxième génération. Et je me souviens, j'ai marié les parents, et maintenant, c'est des enfants qui ont grandi. Et la première fois... J'aurais aimé t'avoir dans mon mariage, j'aurais aimé. La première fois...
Ben, Inch'Allah, Inch'Allah. Non, façon, ça y est, c'est fait. Ben, ton mari, de toute façon, il est Allah Iberk, adorable, c'est un musicien aussi. Oui, tu l'as dit, mais on va faire le renouvellement des vœux, là, je t'appellerai. Inch'Allah. Où serais-tu, Ntia Nabila? Oui, monsieur Kroya, Tayyib. Oui. C'était en France en 2009. Où je n'ai? Où j'ai pleuré. J'ai pleuré sur scène. Pourquoi? Parce que y a une, j'ai fait un mariage ici à Paris. Il y a une dame qui m'a ramené une photo à la fin. Ouais. Et c'est une photo où j'étais à Bab El Oued, Kétani, la salle Kétani à l'époque. Ouais. Il y avait une petite fille. Et bien la, la surprise, c'est ouais. Ça. La dame est là. Non, je rigole. Non, je rigole. Alors la dame a dit que j'ai pris la photo. Un bébé. Arrête, tu rigoles. J'ai cru les prendre un mousse. Et... Alors elle m'a ramené la photo avec une toute petite fille comme ça, habillée en fille d'honneur. Ouais. Et c'était la photo, elle était prise en 86, soirée là, Kétani. Elle m'a dit, tu l'as reconnue? Je lui ai dit, non. Elle m'a dit, ben c'est la mariée. Wow. Ça m'a ému, elle est belle. Ouais. J'ai commencé à pleurer. Et tu t'es senti très jeune aussi. Eh oui. C'est drôle, jeune. Mais voilà, c'est... Allah Iberk, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Nabila, où serais-tu sur ce qu'on disait? On ne te voit pas beaucoup dans la chanson kabyle. Est-ce que vous pensez qu'il y a assez de production en chanson? Il n'y en a pas. Absolument pas. Déjà, la chanson algérienne, c'est compliqué. La chanson kabyle, un peu plus. Il n'y a pas de production réellement. Et puis, aujourd'hui... Il n'y a pas de production. C'est un problème très compliqué. D'artiste ou là de... C'est très compliqué. Déjà, la méthode de consommation, Bedlet. Il y a encore 5 ans, les gens achetaient des albums. Aujourd'hui, qui te rejette un album, tu te poses la question, est-ce que je vais faire un album dématérialisé? Est-ce que les gens vont vraiment acheter l'album? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas miser sur les streams et sur une distribution plutôt digitale? Ouais. Donc déjà, Hana, en autoproduction, moi j'ai connu les deux. J'ai connu l'autoproduction et j'ai été produite aussi par un label ici en France. C'est une grande prise de risque parce que du coup tu prends en charge tout le côté technique de la création d'accord. de l'album. D'accord. Et après, est-ce qu'il va y avoir des retombées? Est-ce que c'est trop compliqué c'est de manière générale. Je sais que tous les artistes souffrent de ça parce que c'est compliqué là. C'est trop compliqué. Et je pense que si on a envie, nous, en tant qu'artistes, ce n'est que mon avis, mais de perdurer, le but c'est voilà, de vraiment s'adapter à notre époque. Moi j'ai sorti Bashnaw au mois de juin dernier. On a fait le choix de ne pas le sortir en physique parce qu'on ne sait pas comment il va se vendre. Et le coût de production d'un album physique, c'est un c'est certain énorme. Coût. C'est et énorme. Là où il y a encore 5 ans, on mettait plusieurs milliers d'euros dans le tournage d'un clip, aujourd'hui tu prends ton téléphone, tu fais une vidéo, exact. Tu fais un million exact. De vues. Exact. Donc, voilà. Ardouane, c'est vraiment comme Ardouane. Je fais un million de vues juste. Ben, si tu veux, nous on a des clips qu'on a tournés avec des gros budgets, avec une grosse prod et genre 30 personnes, tu vois, sur l'équipe et qui ont eu beaucoup moins de vues que le clip qu'on a tourné en une après-midi avec un petit truc. Enfin, tu vois, c'est en fait avant, je pense que tu avais la garantie d'un résultat en fonction de ce que tu mettais. Au moment de la création du contenu. Aujourd'hui, c'est pas évident. Ardouane, attends. Sors ton téléphone. Venez, on fait un clip. Allez, on fait un clip. 4. En fin d'émission, clip, on fait un clip. On fait un TikTok. Non, c'est lui qui fait les vues. Pour revenir à ce que je disais, et à ta question que tu as posée initialement, écoute. Par rapport à la musique kabyle. Je voulais juste une petite parenthèse. De toute façon, je vais passer à toi, donc ça tombe bien, vas-y. Mais je voulais juste dire, vous dire, que tu as vu, on aime bien, tu as vu, quand on est... kabyle, ou moi pour ma part, j'ai un peu de sang kabyle, mais je parle que algérien. Je parle. C'est quoi les origines exactes là? Moi je suis de Msila, Hammam Dal'a 28. Msila, voilà. Baybar, c'est d'où je viens. Voilà. Et en fait, mon père, qui m'a pas forcément parlé de Kabylie, mais c'est ma mère qui est un peu kabyle, j'ai jamais entendu parler de la Kabylie, forcément. Mais les kabyles se revendiquent kabyle. Mon père m'a toujours dit que c'est un patrimoine non négligeable de l'Algérie. Et pour revenir à la musique, c'est dommage qu'aujourd'hui, on ne mette pas en avant la musique kabyle, parce que des fois, tu regardes des séries australiennes, américaines, coréennes, et il y a des bandes-sons qui sont, mais quand je te dis inspirées, c'est pompées sur de la musique berbère. Ouais. Et quand, même en Afrique, même tu regardes, il y a des sons, des musiques, de la musicalité qui est 100% berbère. Et il faudrait que nous, on se mette
à revendiquer nos valeurs, tu vois. Okay. Ça, c'est important, c'est un patrimoine. C'est ce qu'on essaye de faire. Ok, ok. Voilà, pour moi. Non, t'as raison, t'as raison. Alors, elle parlait des difficultés pour sortir un album. Ouais. Parle-moi de la difficulté d'être humoriste. Parce que les gens, ils se disent, souvent, hein, ils disent, il est drôle, il va, spectacle, ça marche. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, pas du tout. On est d'accord. Comme on se prépare, on écrit, on essaye ses sujets. On... Bien sûr. Raconte-nous tout ça. Ben, c'est un peu, on est un peu dans les mêmes démarches. Hein. C'est que on est des artistes avant tout. Après, tu as besoin d'avoir ton public. Mmh. Moi, avant même de chercher un public, j'essaie de me trouver moi-même. J'essaie de surtout faire rire de choses qui me parlent à moi. J'aime pas prendre des sujets qui... Exemple, si demain tu viens sur Redouane, de toi. Parle de ça, tu vas voir, ça fait rire. Exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait l'Algérie. C'est pas l'Algérie, c'était un festival à Oran, du rire. Mmh. Et on m'a dit, ici, parle plus de ça. Je dis, écoute. Ah non, c'est mon spectacle. On va y aller franco. Ouais, ouais. Moi, si tu es venu me chercher, c'est parce que tu aimes ce que je fais. T'as vu? Et dans tous les cas, je vais faire ce que moi j'aime faire. Et je veux que les gens découvrent ce que je suis et j'aimerais pas leur faire découvrir s'ils connaissent déjà. Exact. Donc le pont qu'il faut que je fasse, moi, je me mette entre les deux, entre mon monde à moi, tu vois, mon humour et le monde dans lequel vous êtes aujourd'hui. Même si je parle de monde, je parle de. Oui, oui, bien sûr. On reste dans l'humour, tu vois. Bien sûr. Mais. Il te fait rire, Redouane ? Ah ouais. Non, sérieux. Non, sérieux, bien sûr. Je l'ai déjà vu jouer. Je le connais depuis 2017, c'est ça ? 2016. 2016, hein, ouais. On s'était vu au Moon Roof. On avait performé tous les deux. Moi, ouais. J'avais chanté et lui, il avait performé sur scène. Ah. Et je le trouve aussi bon dans les rôles où il est sérieux, comme dans Braqueur, par exemple. Tu vois, où il interprète un jeune braqueur, etc. Bah, au moment où j'en parle. Et franchement, je trouve ça lourd, le contraste, en fait. C'est-à-dire que le mec, il est passionné par ce qu'il fait. Ouais. Et en fait, c'est un vrai comédien, quoi. Mais c'est pour ça que je veux poser la question. C'est du vrai travail. Ah ouais, ouais. C'est du vrai travail. Lui, il était fait pour ça. C'est-à-dire que tu aurais pu faire que l'un ou que l'autre. Finalement, tu as quand même choisi les deux. Ouais. Et tu es à l'aise dans les deux. Donc, parce que ton honneur. Ouais, parce que ça me plaît. Ah, mais ça se voit. Moi, le jour où ça me plaît, ça se voit. Il faut que ça te plaise, j'ai compris. Je te mens pas. C'est pas l'argent. C'est pas la notoriété. C'est pas la notoriété qui me motive dans quoi que ce soit, dans ma vie en général, alors artistiquement encore plus, je l'ai fait vraiment. Et ça, tu vois, j'insiste sur ça. Ça, c'est une valeur très algérienne. On aime bien faire les choses parce qu'elles sont là. Oui, oui. Et tu vois, quand on réussit, que les choses, elles sont parties d'ici, on n'aime pas elles nous correspondent. Ouais, ouais, on n'aime pas se forcer. T'as vu, à l'image, j'aimerais, tu vois, m'inspirer de choses, d'une carrière comme celle, comme la tienne, hein, Hamidou. Si il y a 35 ans, tu fais quelque chose qui correspond encore à aujourd'hui, c'est parce que tu l'as fait avec ton cœur. Exactement. Tu vois ou pas ? Moi, je pense. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, ton spectacle, Je suis chaud. Ça parle de quoi ? Rani Sroun. Hami. Hami. Ambiance. Arwah. Quel la berd la walou. Al-Mashi Hadar. Sraana. De quoi tu parles ? L'ma. Hadar. De quoi je parle ? Je parle à. J'aime bien parler des chocs des cultures. J'aime bien parler de ce qui, moi-même, m'a nourri. Mmh. Ma vie, tu vois. Je suis père de famille, je suis fils d'immigré et je fais un métier qui n'est pas. Les humoristes algériens, on n'en connaît pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Mais, pour exemple, moi, j'ai un acteur qui est un comédien, tu vois, algérien, qui m'a inspiré et qui, je pense, a inspiré de très grands en Europe. Mais qui c'est comme c'est un Algérien et qu'il faut vraiment. Ahmed Aliouet. Ah, Aliouet, oui. Tu vois, Aliouet, oui. Pour moi. C'est vrai. Tu vois, Louis de Funès, il est en dessous. Lui, il est au-dessus de Louis de Funès. Et quand des fois tu parles. Mais comment tu as rencontré Aliouet, toi tu... C'est mon père. C'est ton père. Et mon père, il m'a jamais dit, regarde-le. Mon père, quand il regardait, exemple, le carnaval Fildishara, mon père, il me disait, Redouane, va dormir, je te regarde. Et moi, je le regardais de loin. D'accord. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il a un humour très parlant. C'est-à-dire que même, ça m'a même appris à parler certains mots que je n'entendais pas forcément dans la maison. Tu vois, et je reconnaissais les mimiques de mes parents. Je disais, mais il est trop fort, lui. Tu sais, comme quand il fait Madame Dalila. Tu vois, quand il sort les factures, il dit Madame Dalila, l'ouada. Mais c'est, tu voyais mon père, ma mère qui se disputait pour une facture. C'est vrai. Je dis, mais c'est vrai, tu vois. Ouais. Ça m'a nourri. Voir aussi. Okay. Faut le voir aussi dans le clandestin. Comment il a joué. Clandestin. Un nordiste, un soudiste. Il chante très bien et il a le sens du rythme. Ouais. C'est un vrai comédien. C'est très complet. Un grand artiste.
J'aimerais bien qu'on écoute un extrait et je vais te poser la question après, en fait. Hi, on écoute Nabila. Du sel. Ouais, non, même pas. C'est tic un peu, non? Pur berbère. Ancien. Tu vois, je t'ai dit quoi? T'as vu ou pas? Oh, ouais. Je dis c'est tic. Non, non. Mais ancien. Non. Tu vois pas? Interprétation. Interprétation. Ah, peut-être après. Interprétation celtique, chouille, ça. T'as raison. Non, non, si, si. Peut-être. Ah, professionnel, hein. Il manque la coronavirus. Non, je... non, c'est beau, c'est original, c'est j'adore, j'adore. Qui veut t'a regardé d'abord la musique kabyle? Pourquoi la musique kabyle? Il n'y a pas de choix, il y a pas de, les choses sont naturelles. Après, tu m'as dit tout à l'heure, moi à l'époque, je chantais du R&B, c'est ça? Ah oui, mais c'est surtout que quand ensuite je suis arrivée à Alger et que j'ai senti la puissance de la langue. Comment te dire? Moi, je suis très spirituelle, c'est-à-dire pour moi, on est composé de toute l'âme de nos ancêtres nous habite. Et quand on interprète, c'est là que ça se manifeste le plus. Et quand je chante en kabyle, je ne peux pas t'expliquer, il y a une émotion qui est vraie. Je suis dans le vrai. D'accord. Voilà, peut-être d'accord. Parce que justement, c'est... Mais tu l'as modernisé, tu n'as pas laissé le... En fait, c'est ça qui est original, chanté... c'est du kabyle, électro, c'est... Oui, je l'ai chanté comme moi, j'avais envie de le ressentir à ce moment-là, en 2022. Et surtout, j'avais envie aussi que ce soit brut. Parce que sur le premier album, j'ai repris des vieux chants kabyles qu'on appelle Islen. Ce sont des chants en fait qu'on interprète dans les villages lors de, voilà, de mariages ou d'événements. Et en gros, tu as un premier groupe de femmes, un deuxième groupe de femmes. Elles se répondent, c'est hyper bien organisé. Tu sens que c'est très ancien parce que c'est vraiment... tu as même rythmiquement, des fois, tu as des constructions qui sont incroyables. Et en fait, moi, quand j'étais petite, elles me faisaient peur, ces chansons. D'accord. Alors aujourd'hui, je dis elles me faisaient peur, mais je pense que ça me touchait trop. Et quand j'ai grandi, je me suis dit que j'allais les interpréter à leur état pur. Mm-hmm. Et donc, j'ai fait une superposition de voix. Il m'est arrivé quelque chose d'assez singulier, d'assez bizarre. C'est qu'à un moment donné, je me suis mis à chanter Islen, là, ces chants. Et je commençais à avoir des flashs et des souvenirs de choses, mais que je n'ai pas vécu. D'accord. Donc au début, je n'ai rien dit. C'est de la génétique, ça. Écoute, j'ai laissé tomber au bout d'un moment. Est-ce que tu penses que ce n'est pas les souvenirs de tes aïeux? Okay. C'est ça. J'en ai parlé à des thérapeutes, j'en ai parlé à des Bienvenue gens. Bienvenue dans le monde parallèle. J'allais te dire, est-ce absolument qu'on peut faire une pas parallèle. En vrai, c'est non, quelque non, mais chose, ça a dans du sens. Ans, hein. Tu vas en entendre parler. Ça a du c'est sens, un peu ça a comme du le sens. Yoga, il y a 20 ans, les gens rigolaient. Aujourd'hui, tout le monde fait du yoga. En fait, j'en ai discuté avec des thérapeutes qui m'ont dit, mais tu sais, dans ton ADN, tu as les yeux peut-être de ton grand-père ou tu as ton caractère, on dit à ton oncle, il est comme ça. Mmh. Donc, tu as tout le code génétique et puis tu as aussi tous les traumatismes, les souvenirs qui sont transmis en fait dans ton ADN. Et cette mémoire cellulaire, des fois, elle s'active et des fois, et voilà, ça peut expliquer aussi certains comportements et certaines choses que tu peux avoir aujourd'hui. Tu dis, mais je ne sais pas d'où ça vient. Et donc, du coup, je suis en train de travailler justement sur ça. Comment, à travers ces chants-là qui sont très anciens et puissants, est-ce qu'on peut comprendre l'histoire de nos ancêtres? Et les moderniser pour qu'ils soient écoutés. Pour qu'ils soient écoutés. Pour que ça soit fédérateur, en fait. Il n'y a pas que les anciens qui écouteront. On va faire découvrir ça aux jeunes. C'est ça. Mais tu sais, les jeunes, il y en a un. Oui. Chez Nia, où je suis partie en vacances cet été, il y avait des gens de tout bord, de toute culture, qui m'ont parlé en anglais. Et en fait, quand je fais écouter ça, les gens, ils pleurent. Ils disent, je ne sais pas pourquoi, c'est puissant, je sais pas pourquoi. C'est puissant. Ça réveille des choses chez tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Alors, les jeunes, il y en a un qui s'y connaît bien. Et comment plaire aux jeunes? C'est Ice. Ah, on est bien d'accord. Ice, il paraît que tu bosses beaucoup. Qu'est-ce que tu es capable de faire pour arriver au sommet? Quelles sont les choses? Moi, j'en ai des choses que tu es capable de faire. Peut-être que les gens ne savent pas. Je suis prêt à m'isoler jusqu'à un moment où je vois vraiment plus personne, sauf ma famille, bien sûr. Mm-hmm. Par amour et par obligation aussi, tu vois. Par obligation de moi-même, en fait, tu vois. Je pense que je ne m'éloignerai jamais de ma famille, mais
vraiment, à part la religion et ma famille, j'ai fait le choix de me consacrer qu'à mon travail. Quand je dis mon travail, c'est pas seulement le rap. Il paraît qu'à un moment, tu n'as pas dormi 6 jours. 6 mois, mais c'est la légende, c'est 6 mois, mais c'est pas vrai, tu vois. C'est juste que j'ai toujours été insomniaque, j'ai toujours été un. Oui, on t'appelle un l'insomniaque. Grand bosseur, voilà. Mais j'ai pas vraiment de goût pour le sommeil. D'accord. Voilà, je me cache toujours derrière le travail, je fais toujours passer ça avant tout. Et pour moi, en tout cas, j'en suis qu'au début, tu vois. Ouais, ça fait plus de 10 ans que je suis dedans, j'ai l'impression que ça fait 2 ans ou 3 ans. Et voilà, ça passe vite, hein, plus quand c'est intense, ça passe que, vite. Que le succès, quoi. Et ça passe très vite. Donc, pourquoi on t'appelle l'électron libre? Bah déjà, je suis hyperactif, tu vois. Donc, c'est-à-dire, je tiens pas en place. Par exemple, là, je tiens pas en place, tu vois. Je sais, tout à l'heure, même tout à l'heure. J'ai chaud à côté. Ouais, ouais. J'ai chaud. Ouais. C'est un radiateur. Je suis vraiment. Puis très là, t'as envie de bouger. Je suis très nerveux, ouais. Tu veux faire un tour? Il veut se battre. Tout à l'heure, il regarde le caméraman, il sait pas qu'il il est en train de nous filmer, il est en train de cadrer. Ouais. Il dit, je te jure, il me regarde chelou. Il me regarde chelou, je te dis. Voilà, je crois qu'il a un problème. Pourquoi il me regarde? Non. Non, mais voilà, je suis une boule d'énergie, un électron libre. Parce mais c'est que, bien donner toute cette énergie pour l'art, pour la chanson. Exactement. Pour, c'est ça ah, c'est ce qui me canalise, en fait. Ouais, ouais. Donc, je savais que je tiendrais pas en place... dans une salle de classe. Ah, le cadreur, quand il a envie de rire, il rit. Ouais, ouais. Il a rigolé, mais il a surtout reculé. Il a reculé. Mais il rit à haute voix, c'est-à-dire... Il a pris ses distances. On est entre nous. Tu veux un café? Non? Ça va? Ok. Mais ça, ce qu'il dit, c'est, ça se reflète beaucoup. On le ressent dans, sa façon de chanter et dans son texte. Ouais. Tu sens qu'il était vraiment passionné. Ouais, de ouf. Et on sent que tu veux éduquer. Tu m'as parlé. Ouais. Dans le sens, tu ne prends pas pour quelqu'un qui connaît tout et qui sait tout. Non, Rezoane, mais tu m'as dit, c'est un radiateur, il est hyper. Il est Sroun. Il est Sroun. Ah, Sran. Mais tu n'aimes pas les caméras cachées, hein? Non. Ah, il n'aime pas. Tu racontes ou je raconte? Taïeb, il est très, très bon. Tu racontes? Je te laisse raconter. Eh bien, on lui a fait une caméra cachée, monsieur n'a pas apprécié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je me suis laissé aller. Laissez aller, il sort. Le gars qui se laisse aller dans une caméra cachée, il dit « Qu'est-ce qui se... Oh, je supporte plus !» Et il part. Il n'a pas fait ça, lui. Ouais. Il a frappé le mec. Il l'a tapé. Alors, Ice, je suis désolé de t'apprendre ça, mais toute cette émission, c'est une caméra cachée. Oh, en fait. Arrêtez, là. Allez, les cadreurs, c'est bon. Allez, on y va. Arrêtez, il va frapper quelqu'un. C'est bon, là, je suis pas bien. شوية إشهار أعزائي المشاهدين ونعودوا نوليو معكم في القسم الثالث تاع حصة التعليم. أعزائي المشاهدين ثوازيام بارتي تاع كافيين وآخر عدد تاع العام مازلنا مع حميدو مع نبيلة مع رضوان ومع آيس. Ouais. Alors, j'ai dit Akhir Adad Tahad Lam. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la dernière émission de cette année. Ouais. Oh. 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 Mais on va se revoir l'année prochaine. Ouais. Ça marche, c'est un truc de fou. J'adore. J'ai envie de la refaire. Mais on va se revoir l'année prochaine. Ouais. T'as vu, ça marche à chaque fois. C'est bien. Allez. Alors, justement, en parlant de l'année prochaine, 2023. Quelles sont vos résolutions à chacun? Allez, une résolution chacun. Profiter plus de ma famille, voilà. Ah, c'est beau ça. Ouais. C'est beau. Mais je le fais déjà beaucoup, je ne sais pas comment je vais faire plus, mais... De toute façon, la famille en a toujours besoin. Exactement. De plus. Il me regarde de là-bas, de loin. Oui, je veux plus. C'est le travail qui te fait dire non, ça? Non, c'est la vie. Enfin, non, je profite déjà beaucoup, je suis très présente, mais des fois, tu as des petits moments comme ça. Tu pourrais aller sortir, faire un week-end, faire un resto, voir des cousins, des cousines, ouais, tu vois, ouais. La famille est grande, j'aime. Bien sûr. Et puis, le quotidien prend le dessus, donc profiter plus de la famille. D'accord. Unta. Kif kif. Hamidou, sérieux. C'est très important, c'est très important. Bon, aujourd'hui, on est le 31 décembre, c'est ça. Voilà, c'est ma 33e année de mariage. Allah ybarak. Waouh. Et donc voilà, j'exprime tout l'amour pour mon épouse qui m'a soutenu, qui a été c'est là. Beau, c'est beau, c'est beau. Un Algérien, il dit l'amour pour mon épouse. Parce que Meshiga, Anna, ha, 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 ha
Voilà, et puis bon, de toute façon, on finit l'année, Inch'Allah, en beauté. On finit l'année avec plein de vœux de tout cœur pour tous nos amis, pour tous nos proches. Bonheur et santé, surtout la santé, parce que. Parce qu'à nos âges, à nos âges, quand on a la santé, on a tout, quoi. C'est le capital. C'est, on peut avoir tout, tout, on peut être milliardaire et on n'a pas la santé, on n'a pas la foi, etc. Ça ne sert à rien. Il faut être en bonne santé. C'est pour ça qu'avant, on écrivait des petites bonnes années comme ça, avec des petits cerfs, Agdaïa, Sharepa et tout. Et quand on s'exprimait à l'occasion de l'année. Hein, de la nouvelle année. Permets-moi de te présenter mes voeux de bonheur, joie, santé et prospérité. Merci. Voilà. Redouane, tes résolutions pour 2023, pour l'année prochaine? Elle n'est pas finie l'émission, hein. C'est ouais, juste ouais. Je veux savoir, c'est tout. Je sais pas. Tu connais. Hein? J'ai peur, je te dis après. Qu'est-ce qu'il y a dit, moi? Vous me portez la haine. Non, t'inquiète pas, mon fils. Je suis là, ton père est là. J'aimerais aller avec tous mes enfants et madame en Algérie. Eh? Et aller faire vraiment. T'en as combien des enfants? J'en ai 4. Allah ibarak. Je suis un Algérien. C'est normal. Ah oui, normal. Et j'aimerais faire l'Algérie d'est en ouest et du nord au sud. Ça s'appelle une tournée. Il faut pas emmener la femme. Non. Je rigole. Ça s'appelle une détournée. Parce qu'ils vont pas être au courant. Bravo, bien joué. Ouais. Bravo, Alex. Voilà, c'est bien. Ice. Moi, j'aimerais bien obtenir un disque de platine pour mon album qui vient de sortir, Electron Libre 3. Et je pense que ça ferait plaisir à mes parents, donc voilà. Inch'Allah. Je te le souhaite. Merci. Vraiment, je te le souhaite. Bon, il nous reste deux rubriques dans l'émission. La première, ça s'appelle le blind test. You know? Oui. Alors, et nous, on l'a appelé, dans Caféine, des aides ou pas des aides. Ça veut dire qu'on va passer des extraits musicaux. Le public peut nous aider. On peut regarder un peu le non, public. Non, ça s'appelle copier. Ah non. C'est pas la même chose. C'est de la triche. C'est de la triche. Donc, on va tester votre culture musicale algérienne avec des extraits et on va marquer des points. Et ça s'appelle des aides ou pas des aides. Ok. D'accord. On a déjà gagné. On commence. Allez. Des aides. Des aides. Tu veux être des aides, hein, mais... C'est des aides, ça. Non, il faut trouver le morceau d'abord. Avant d'être des aides. En revenant en Algérie. Non, arrête. C'est pas du Jamel Allam. Non. Il n'y a pas la voix. Mona, Mona. Ah. Ça, c'est... Mona, Mona. Oh, il y a un petit prélancé. Ziane Hamish. Ziane Hamish. Bravo. Qui dit qu'il a dit en premier? Non, mais... Fayab, Nabila. Je suis désolé. C'est le public qui l'a trouvé. Ce point va au public. Non, elle a trouvé en même temps, mais elle a une seconde avant. Non, elle l'avait trouvé. Elle l'avait trouvé. Et moi, je l'avais. Après, mets-nous des trucs... Des trucs quoi? T'inquiète pas. Vas-y. Deuxième morceau. Bon courage. Chazé. Ils sont jeunes. Ah, ça me fait. Moksaeb, non? Moksaeb, elle est forte, non? C'est pas elle, c'est pas elle. Là, c'est Fébé. Tayeb, c'est qui? Tayeb. Tayeb. C'est qui? Medo, il est neutre. Moi, là, j'étais. C'est le public. Ça y est. J'aurais essayé. C'est bon, merci. Bah, je m'excuse pour Ice Lemsi. Qui a soufflé? J'ai entendu. Et le public. Où tu l'as entendu? Je sais pas. Dans tes souvenirs c'est, de oui, ce que voilà, tu m'as raconté ça, tout à l'heure? Ouais, non, c'est ça. C'est un ancêtre qui m'a soufflé. D'accord, ok. Donc, t'as pas deux points. On va le donner à personne celui-là. T'as un point. Vous êtes à zéro là. J'ai pas compris. C'est pas carré. Ouais. Allez. Extrait. D'Escoti. Oui. Yazina Dililatei. Mais c'est qui? From who? Come on. Raina Rai. Raina Rai. Attends. Bravo. Attends. C'est des blabes. Merci.
Mais le vrai nom de l'artiste, c'est quoi? Raina. L'artiste. L'interprète? Oui. Non, l'autre fils, c'est le guitariste. Ah, oui. L'autre fils, oui. Attends, t'as vu ou pas? C'est important, ça. Ouais. Qui chante? Genre, tu nous donnes une colle, genre... Non, moi, c'est ça que j'aimerais savoir. Toi, t'as eu zéro point. Non, parce que savoir, jamais, qui chante. Attends, et ben l'interprète, je sais pas, j'espère, il était alité. Il était très malade. L'interprète de la chanson. Ouais, on lui souhaite, Inch'Allah, un meilleur établissement. Tu nous as demandé l'interprète. Ouais. Et le titre. Oui, l'interprète, c'est Raina Rai. Bon, c'est un groupe, en fait. C'est un groupe. Voilà. C'est bon, merci. Ça date. Comment il s'appelle, 85. L'artiste s'appelle comment? C'est-à-dire, jusqu'à quelle heure tu vas insister? Non, je veux savoir comment il s'appelle. Ouais. Parce qu'on va me dire Raina Rai. Il est mauvaise, il veut juste poser une autre colle. C'est ça. Tu vois? Comment? L'autre fait Attar. Non, l'autre fait Attar, c'est le guitariste. C'est le guitariste. Oui. Ah, le chanteur, c'est... Oui. Voilà. Oui, personne ne l'a. Bon, on va la voir. Ils vont faire des recherches, j'imagine, là, à la rédaction. À qui on souhaite bon rétablissement. Parce qu'il Ah, d'accord. Parce que dernièrement, il était... Okay. Oui. Rabbi Shafi, Inch'Allah. Oui. Dernier extrait. Là, j'ai un demi-point. Un demi-point. Sauvé dans l'honneur. Un point. Un point. Tu as un point. Un point, ouais. Qui a perdu? Qui n'est pas des aides ce soir, d'après vous? Personne. Ah non, un point. Pourquoi tu baisses la tête? Parce que qui ne tente rien n'est pas un Algérien. Voilà, très bien. Bien dit. Allez, on passe à la dernière rubrique de l'émission, qui s'appelle Oshqal. Ok. Donc, le principe, c'est que je vais vous afficher des photos sur l'écran qui est derrière moi, qui est extraordinaire. Hein, tu as vu les moyens qu'on a dans cette émission? C'est un truc de fou. Tu nous as éclaté. Et, ouais, grave. Et vous allez me donner un commentaire sur cette photo. Et il y a une photo dédiée à chacun d'entre vous. Mm-hmm. Ça vous va? Hamido, première photo pour toi. Wahab Jazouli, c'est un artiste très talentueux que j'ai encouragé à ses débuts et qui reprend le flambeau des fêtes, etc. en Algérie, et voilà, je souhaite beaucoup de succès. C'est les personnes qui vont prendre la relève? Ah oui, il y a une nouvelle génération qui va prendre la relève dans les mariages, etc. Ils ont beaucoup de talent, ils ont de très très belles voix. Ouais. Eux, ils ont du talent et nous, on a un extrait. Ah oui? Écoute. Vu la guitare qu'il a, c'était les débuts. C'est pas une récente vidéo. Il a changé de guitare. Alors tu me rassures parce que vu la cravate qu'il a, si c'est pas ses débuts, c'est grave. Hein. Tu vois.
Donc, Hada ou la relève. Elle existe, Hada, elle est là. Un parmi la relève. Il y a plein d'autres artistes. Très bien. Justement, Nabila, elle vient de dire qu'il a participé à El Hanou et Shabab. Oui. Aussi. Alors, pas avec moi, mais je pense une ou deux années après. Oui. D'accord. Oui, je me souviens. On lui souhaite, lui, à lui et à tous les artistes comme lui, beaucoup de bien sûr, beaucoup de réussite. Allez, Redouane, c'est à toi. Ah, oh. Ma mère, Aïda. Aïda, qu'est-ce que tu as à lui dire, toi? À ma mère? Ouais. Que je lui dois tout. Tout. Mon nez. Ça commence par le physique, c'est ça? Ouais, okay. De l'argent. De l'argent, oui, c'est très important. De l'argent aussi. On a compris la vanne, hein? Ouais, ouais. Mes deux voitures, elle dit que c'est à elle. Même quand j'ai des problèmes, elle dit c'est parce que c'est moi. Ah. Tout. J'ai réussi, elle dit c'est grâce à moi. J'ai des problèmes, elle dit ça. Le dewa. Tu vois? Non, c'est ma mère, c'est tout. Ma mère, c'est elle est incroyable, ma mère. Wallah, ma mère, j'ai jamais vu un être humain de mon vivant plus fort que ma mère. Wow. Et mon père, hein, l'Algérien, Saïd. Hein? Saïd le fulfil, dit la moustache. Le fulfil. Mon père m'a dit, ta mère, elle est plus forte que 10 hommes en même temps. Voilà. Et là, en fait, c'est la première fois. J'ai commencé par le cinéma, moi, en 2011, je crois. 2011, ouais, mon premier film. Mon premier long métrage, je l'ai commencé en. Il est en train de vérifier avec moi, tu vois. C'est-à-dire, c'est ça, 2011 d'ailleurs, bon, parce que, en fait, j'ai pas l'habitude qu'on me pose ce genre de questions. Je te jure, tu poses des questions. Tu me montres une photo de. Elle est très fraîche, la photo. Hein. Ouais. Très, très fraîche. Ouais. Ma mère, elle est jamais venue me voir sur scène. Elle a jamais vu. Et ça fait quoi? Ni une photo. Mais tu sais, ma mère, c'est ça. Tu lui montres une photo de moi, elle va dire ah, ne me montre pas ça. J'ai fait deux fois le festival de Cannes. Elle m'a dit je veux pas entendre parler de ça. Toujours, par contre, l'ihsab. Toujours. Elle n'était pas d'accord ou. Non! C'est que ma mère m'a toujours dit, fais ta vie. Fais ta vie. Et laisse-moi te voir comme je t'ai vu sortir. C'est tout. C'est ce qu'elle m'a toujours dit, ma mère. Mmh. Et ce jour-là, ma mère, elle est un peu malade en ce moment. Elle est venue parce que j'ai joué pour la première fois dans ma ville. Et je vois une dame qui est assise. Tout le monde était bien assis. Il y avait une seule chaise. Ma mère, pour avoir sa chaise au milieu, tout au fond, mais au milieu, elle a dit, j'ai des problèmes de santé. Tu vois, elle a dit, j'ai des problèmes de santé, il faut que je m'assoie là. Il lui dit, mais madame, pour être en là. Face de son fils. Elle a dit, c'est là parce que Gelbi et Zarzar, c'est mon cœur vibre, donc c'est par là, un Ayen God. Et j'ai vu, je l'ai reconnu, tu sais, ma mère, elle a un foulard et un autre foulard et son manteau. Elle a un manteau en velours. Ouais. Et à un moment, je parlais d'elle sur scène et elle s'est levée, elle est venue. Non. Wallah, elle est venue d'elle-même. Non, et là, j'ai sauté de scène et je suis avec elle. Allah donc, voilà, ça fait plaisir. Arrête. Ça fait plaisir. Nabila, c'est à toi. Je sais pas lire arabe. Foursen. C'est quoi? Même moi, je ne comprends pas. Mais bien, un cheval. Je te jure. Une tête de cheval. Ça veut dire les cavaliers. C'est écrit le foursen, en tout cas, en mais arabe. Mais je ne comprends pas. Pourquoi la fois ça de pour je... moi? Oui. Ah oui, d'accord. Ah, tu vois. C'est la traduction de Imnayen qui veut dire les cavaliers. Et du coup, c'est un des premiers titres comme ça que j'ai repris qui s'inspire des chants, des vieux chants kabyles. Ouais. Et donc. Et donc, tu vas nous chanter un petit morceau. Oh là là, d'accord. Voilà. Ok. وسفا غيات برار نوسادا نغني نوك ندم نينا حمزة ينم ناشالي نوك نزرع سارعة رابا دي السمغي غلطين. Bravo. Je l'ai interprété, on l'a arrangé de manière un peu plus pop, on va dire, sur l'album. Mais c'est comme ça que ça se chante. Et donc, il faut imaginer une armée de femmes qui chantent. C'est hyper impressionnant. Tu t'imagines pas. C'est hyper impressionnant de voir c'est comme quoi, ça. C'est quoi ta chaîne YouTube? Nabila Dali. Voilà. Mais si tu veux vraiment voir...
voilà, l'effet authentique des chants berbères, tu vas en Kabylie. C'est le vrai berbère, voilà. Par ouais. Excellence, parce que نحسو بالنغمة الشاوية نحسو بالنغمة القبائلية نحسو بالبربر نحسو بالنغمة الترقية برافو برافو سي فري برافو ايس à toi. Ah, ça. Quoi, dis-moi. Ah, mashallah, je suis né là-bas, Hassim Saoud. Tu es né à Hassim Saoud? Je suis né à Hassim Saoud, ouais. C'est pour ça que la chaleur, tu, c'est ouais, chaud, tu m'as dit radiateur. On voulait dire le Sahara, le centre de l'Algérie, la Sounatrak, là où mon père travaillait, il était frigoriste. D'accord. Mais je suis né à l'hôpital de Houssendé, voilà, pour ceux qui le connaissent. Houssendé, ouais. Et bah, j'étais là en plein désert avec mes parents. On a quitté Alger, enfin mes parents ont quitté Alger à ma naissance. Mon père travaillait à la Sounatrak, ma mère était, s'occupait de moi à la maison. Et j'ai aussi été élevé par ma grand-mère, Allah yirhamha. Et ouais, ça me rappelle énormément de choses parce qu'on dit qu'un enfant, on transmet tout à un enfant de 0 à 7 ans. Oui, et après et c'est trop tard. Moi je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans, je ne parlais pas un mot français. Et en 2 ans, je parlais mieux français que les gens qui étaient nés en France. Grâce à Dieu. Hein. Mm. Et quand je vois cette plaque, ça me rappelle énormément de choses. Parce que même les photos que ma mère me remontre tout le temps, ben, je revois toujours cette plaque en fait. Ouais, voilà. Ouais. Et je me suis promis que j'irai faire un clip là-bas. Inch'Allah. Inch'Allah. Mais quand je serai vraiment au summum de ma carrière. Tu veux être prêt à revenir avec. Oui, voilà, j'ai compris. Je reviendrai en hélico ou tu vois. ou en jet. Tu vois ce que je veux dire. Toi exceptionnellement. Et je dirais, je suis né là. Toi exceptionnel. Oui, ça serait une. Ça serait vraiment une belle et chose. Et tu boucles la boucle en fait. Exactement. Ouais, vraiment. Toi exceptionnellement, on a une deuxième photo pour toi. Regarde. Elle est là. Mohamed Belouizdad. Martyr de ma famille. Voilà. D'ailleurs, je fais un gros bisou à tous les Belouizdad. Tu es un Belouizdad. Je suis un Belouizdad. Les gens le savent. Belouizdad. Je ne sais pas si les gens le savent. Bah, écoute, on t'applaudit. Voilà. Ouais. Ouais. Parle-nous de ça un petit peu. Bah voilà, c'est l'oncle de mon père qui est mort martyr pour notre pays, qui est l'Algérie. Ouais. Il est mort en 54, le 14 janvier 54. Exact. Donc il est mort à 25 ans, même pas 24 ou 25 ans. Il est né en 24, je crois. C'était quelqu'un de très charismatique. Il y a certaines personnes de ma famille qui me disent depuis que je suis gamin que je ressemble beaucoup et que j'ai ce côté un peu leader. Donc c'est vraiment ouais, c'est mon modèle quoi. C'est à dire que bah, on a perdu je pense plus de la moitié des hommes de la famille à la guerre hein. Mais son histoire à lui est vraiment remarquable. Et j'ai été élevé dans cette dans ce, comme je l'appelle, ce nationalisme sain. Parce que je trouve que les Algériens, on est nationaliste, mais pas communautaire forcément. Oui. Tu vois ? Et ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on disait que les Algériens sont uniques. C'est qu'on sait être nationaliste en respectant tout le monde. Et ben, ça fait que réciproquement… Sans virer le reste du monde. C'est, ouais. On est nationaliste, on aime notre pays, mais, ouais. Mais on peut et aimer on les autres. Et on parlait du drapeau algérien, etc. Et souvent, quand je sors un drapeau algérien, que ce soit en concert ou que ce soit dans certains événements, t'as toujours quelqu'un qui n'est pas algérien qui sort le drapeau. Tu vois, et qui se sent algérien. Mm. Tu vois, on est l'un des seuls pays où tu entends des gens dire ouais, ben moi je suis de telle origine, mais je suis algérien de cœur. Tu vois. Ouais. Et en fait, ouais, Mohamed Belouizdad, ça représente tout ça. Et c'est grâce à lui qu'on a la plus grande rue d'Alger, s'appelle Belouizdad. Oui. Tu vois. Exactement. On a aussi un club, CRB Belouizdad, oui. Dont je dédicace tous les joueurs. Mm-hmm. Voilà. Et voilà, c'est une photo. Cette photo, elle représente tout ce qu'on m'a inculqué, tout ce qu'on m'a appris. Et puis c'est mon modèle quoi. Donc voilà. Applaud. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est incroyable. Hein. C'est fou. Rappeur. Hein. Rappeur. Ouais. Tu vois, et c'est ça que j'aime. Ouais. Moi ce que j'aime, c'est ce que j'ai toujours aimé chez lui. J'ai appris à le connaître pas personnellement, par rapport à parce que ce qui est remarquable avec Ace LMC et ce qui est remarquable avec la plupart des artistes qui n'oublient pas d'où ils viennent. Mm. Et ce qu'il les compose, tu vois. Exactement. Et ben lui, c'est ce qui se dégage, ça émane de sa musique même. Et tu je pense, tu sens qu'il a des racines. Et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles il est beaucoup suivi en Algérie par les jeunes. Voilà. Je pense aussi, ouais. Ouais. Je suis allé chanter. J'ai eu la chance de faire une tournée en Algérie. J'ai pas pu faire toutes les villes. Hein. J'ai fait Alger, Ouaran. Bon, j'ai pas pu faire plus de villes que ça, mais en tout cas. J'ai senti un amour incommensurable. Tu vois, comme un artiste
du Nigeria ou de Dakar, tu vois, qui va dans son pays et qui se fait courser dehors en voiture, tu vois, parce que j'ai un peu vécu la même chose, tu vois, et j'ai kiffé, j'ai trouvé ça ouf, tu vois, je me suis dit, Oulet Bled, je suis né là, Oulet Bled, voilà. C'est de là-bas. Et on finira notre vie là-bas, Inch'Allah. Le public algérien, il est... Le public algérien, il est entier. Il est incroyable. Tous les artistes, même pas algériens, avec qui je parle et qui ont eu la chance d'aller se performer en Algérie, me disent, mais on a fait le tour du monde, mais quand on arrive en Algérie, la vague d'amour, et même mes musiciens me disent, mais quelle c'est chance fou, vous avez, nous, c'était pas pareil, le public clair. Algérien. C'est vrai. Puis c'est pas arrivé, c'est arrivé il y a pas longtemps, la musique urbaine. Pourquoi il y avait un changement comme ça? Parce que avant. Avant les événements d'octobre 88, nous, quand on montait sur scène, on sentait que le public n'était pas content. Il jetait des projectiles, il sifflait. Oui. Ouais, mais ça, c'est avant. Oui, mais avant. Alors, je leur ai dit, vous avez de la chance. Ouais, parce que moi, à mes débuts, c'était très difficile. C'était dur. Pourquoi Zamaïb, tout ça? Non, mais chez Aïb, non, pas du tout. Parce qu'à l'époque, il y avait Parti Unique, il y avait Twitter, il y avait le Hagra, il y avait l'Akhore. On n'était pas libre comme maintenant. Tu peux dire n'importe quoi. On était vraiment Belak, tu dis ça, sinon on t'emmène au poste, etc. On vit mal, vous nous faites un spectacle. Et donc le spectacle, il est donné beaucoup plus par le public qui siffle, pas partout. Mais c'est arrivé les années 80, on sentait donc qu'il y avait... Donc on m'a trouvé femme chez On sentait une révolution venir à l'époque. En tant qu'artiste, on sentait qu'il y a une révolution qui se préparait, etc. Parce que c'est l'artiste qui sent le mécontentement. Donc, les gens sont contents. Il y a beaucoup plus d'ouverture. Il y a l'internet. Justement, tu enchaînes très bien sur les projets, vos projets en Algérie. Donc, Daoust Kotli, j'aimerais... En Algérie? Ouais, j'aimerais. Mais toi, déjà, c'est dans longtemps. C'est-à-dire, on attend l'hélicoptère? Alors, revenir à Hessen Strauss en hélicoptère, ça c'est la fin du plan. Ça, c'est le must du must, tu vois. Non, moi je pense que en Algérie, on a une population très 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 jeune. Je crois que c'est la plus jeune d'Afrique. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas travailler, tu vois. Et même ne serait-ce que dans l'industrie musicale, tu vois. Me dit qu'il y a quand même pas mal de choses à développer au Bled. Bien sûr, il faut. Tu vois, et notamment. Et nous sommes la passerelle. Tu vois, caféine, c'est ça le but aussi. C'est vous dire, vous êtes de là-bas, vous êtes chez vous, tout va bien. C'est-à-dire, ceux qui ne l'ont pas compris, moi, je leur explique qu'ils sont chez nous. C'est exactement ça. Non, vraiment. Mais... Exactement. Surtout que Vous êtes essentiel dans les deux sens. C'est-à-dire, nous, artistes qui sommes résidents en France, tu vois, en fait, un artiste n'a pas... On n'a pas de résidence. Exactement. Parce que ce qu'on fait, on peut le faire partout. C'est vrai. Une fois qu'on a fait quelque chose, ça appartient à celui ces domaines-là, la chanson et l'humour, c'est universel. Mais vous êtes, comment dire, Qui sommes-nous? Qui sommes-vous? Vous, quand je te dis vous, je parle de journalisme, je parle de l'information, les médias. Ouais, j'ai compris, je rigole. Vous êtes nécessaire. Mais parce que des fois, nous, on envoie un message qui n'arrive pas forcément comme nous, on l'a envoyé. Ouais, j'ai compris. Et vice-versa. Des fois, tu vois, au pays, on entend des choses, mais on les entend déjà ici. On aimerait les entendre du pays. Et il y a pas longtemps, moi cet été j'ai joué à Oran. Et pour revenir à ce que tu disais, quand tu dis ça évolue et tout, j'ai joué à Oran devant 3000 personnes. Moi j'ai joué à Kinshasa devant 6000 personnes en plein air. Je pensais que c'était, il y avait pas pire que ça. Quand je te parle pire, je te parle en termes de chab, en termes monde, de d'ambiance. 3000. Hein? Tu vois l'Algérien, il est propre à lui-même. C'est-à-dire tu arrives sur scène, on m'a dit dis pas ça. Je dis ok d'accord. Je vais rester moi-même, mais je vais commencer, je vais d'abord les jauger. Justement pas. C'était 3000, ça commence, il est comme ça le Jazairi. Tu commences. Ah, il vient de France et tout. Bienvenue. Parce qu'il est marrant. Prouvé donc, et là, bien dès sûr. Que tu les fais rire une fois, j'ai fait un pas en arrière. J'ai dit, Adaou al-Shab. J'ai dit, il est l'Algérie. Et tout à l'heure, tu as donné une image qui, pour moi, reflète tout ce que je viens de dire. Quand tu portes le maillot de l'Algérie, ou le drapeau, tu vois, le drapeau algérien. Quand tu le portes et que tu n'es pas algérien, écoute les gens donner leur ressenti. Ça, là. Quand tu n'es pas algérien et que tu le fais,
Je te jure, hein, ils ont un ressenti. Mais j'ai l'impression que j'étais en Harley Davidson sur les Champs-Élysées. Ouais, ouais. Mais vous étiez fiers de moi, j'ai juste pris un drapeau, j'ai fait ça. Ouais. Je dis, ah, frère, imagine ouais, nous ouais. ce que c'est pour C'est nous. Sincère, tout est sincère. Voilà. Et ces messages-là, des fois, c'est moi ce que je te dis là. Tu le ressens, tu le vois d'une manière qui n'est pas la mienne. Et j'ai l'impression qu'au pays, et ici, on a deux façons d'aimer qui sont les mêmes, mais on ne les voit pas pareil. Mais on s'aime. Mais on a besoin de faire un lien. C'est ça. C'est ça sera juste passerelle. Le lien, en fait. Exactement. Après, quand c'est sincère, ouais. Ouais, exactement. Juste le lien. Exactement. Ça, c'est important ce que tu as dit. C'est trop important. Bon, on est arrivé à la fin de l'émission. Déjà. Même si on était allé. Tu vois, vite, on sent pas le temps passer. Non. Et ben, c'est ça mon plaisir quand les artistes me disent j'ai pas senti le temps passer. Ah ouais. Les cadreurs, je sais qu'ils le sentent, le temps passer, ils travaillent. Ils travaillent. Le bras. En revanche, quand vous me dites on n'a pas senti le temps passer, c'est ça qui me fait le plus plaisir. Ah oui, avec Dis-moi, tu as senti le temps passer ? Ah, pas du tout. Eh ben, franchement, Mlahba, j'étais trop. Mais elle est venue avec l'addition quand même. Hein. Alors justement, il ouais. n'y a pas d'addition. C'était une trop bonne Bien émission. Bien sûr, attends. Ah, merci. J'ai même envie qu'on fasse la fête, qu'on s'amuse, qu'on c'est commence une super année. Qu'est-ce que t'en dis ? Allez. Ça vous dit ? Ouais. Bonne année. Un peu de fête, bonne année.